Aujourd'hui, je vais vous parler de l'IRC Plantes aromatiques culinaires dans le Nord-Ouest. En fait, cette initiative de renforcement de compétitivité, elle a été commandée par le projet PGIP, confiée aux experts techniques de la Task Force pour mener des travaux bien déterminés suivant une approche participative et analytique. Qui est axé sur la valeur ajoutée et qui fait intervenir le secteur privé et public. Cette approche, elle est innovante de par du fait qu'on essaye de positionner les bénéficiaires directs du projet, à savoir la communauté rurale forestière, sur un créneau à haute valeur ajoutée, autre que celui actuel dont ils travaillent. On a mené plusieurs travaux qui sont répartis sur trois phases. Chaque phase, elle était clôturée par un dialogue public-privé. Et il en ressort de tous ces travaux, en fait, je peux résumer sur trois principaux aspects. Le premier, c'est qu'après avoir fait un diagnostic bien approfondi à l'échelle nationale et surtout internationale, après avoir vu ce qui se passe un peu dans le monde selon une approche bien évidemment méthodologique bien déterminée, on s'est rendu compte que le créneau porteur pour les plantes aromatiques culinaires, c'est le créneau des plantes fraîches, autre que celui actuel dont la communauté rurale et forestière sont positionnées sur le séché. En fait, actuellement, ils travaillent sur le séché et nous, on essaie à travers de cette initiative de balancer le secteur d'activité vers le frais. Après avoir identifié ce créneau à haute valeur ajoutée, on est parti faire élaborer un plan d'investissement et d'amélioration des affaires. Ce plan d'investissement qu'on a proposé, il comprend 8 principales actions qui tournent autour, bien évidemment, de cette communauté forestière pour qu'elle capte la valeur ajoutée des produits qu'ils offrent et qu'ils exploitent. Le plan d'investissement, on a essayé d'installer en premier lieu la chaîne de froid. La chaîne cette chaîne de froid, elle est absente dans cette région puisqu'ils sont positionnés sur le séché, comme j'ai dit. On a essayé de proposer des actions concrètes pour les aider à se balancer et à adapter ce changement stratégique pour produire et exploiter les plantes aromatiques fraîches. Bien évidemment, ces plantes seront destinées à l'exportation pour des marchés de niche, des marchés qui sont demandeurs de ce type de plantes sauvages venant de la forêt tunisienne, et là où il y a une partie des consommateurs qui sont prêts à payer beaucoup plus cher pour avoir ce genre de produits. Le troisième aspect, c'est le livre blanc de réforme réglementaire. Là, on a essayé de traiter tous les textes réglementaires qui permettront plutôt à cette communauté forestière d'exploiter au mieux les ressources sauvages venant de la forêt, et ce livre blanc va accompagner le plan d'investissement et va faciliter surtout la mise en œuvre de ces actions.